Tu es probablement skinny fat si tu regardes cette vidéo. Et je comprends les difficultés que tu peux rencontrer avec cette morphologie parce que c'est vrai que quand t'es gros, il suffit de perdre du poids, il suffit de perdre du gras finalement. Quand t'es maigre, il suffit de prendre de la masse. Maintenant, quand t'es skinny fat, bah c'est encore plus compliqué parce que il faut à la fois perdre du gras comme les gros, mais aussi prendre du muscle comme les personnes maigres. Donc tu te retrouves à faire deux travail en un. Et justement, aujourd'hui, si t'es skinny fat, t'es peut-être perdu dans le nombre d'informations qu'il y a sur internet entre tous les coachs qui vendent leur propre méthode et qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux. Et si tu ne sais pas quoi faire en tant que skinny fat, c'est ok parce que je suis aussi passé par là. Et d'ailleurs, en tant que coach sportif diplômé d'État, j'ai coaché presque 200 hommes atteints d'un physique tracé qui sont eux-mêmes passés par là. Le manque de confiance, le fait de se sentir pas super bien dans leur peau, le fait de pas forcément énormément plaire, le fait d'avoir un peu peur du regard des autres. Je mets d'ailleurs quelques-unes de leurs transformations. Et un skinny fat, le truc, c'est qu'il peut pas tout de suite faire une prise de masse parce que il a déjà du gras et s'il fait une prise de masse, il va prendre encore plus de gras qu'il en a déjà. Et s'il fait une sèche, il perdra du gras, certes, mais il va perdre le peu de muscles qu'il a. Donc s'il fait une sèche, il va se retrouver skinny et s'il fait une prise de masse, il va juste se retrouver fat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te dire, il faut faire une recomposition corporelle et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'entraîner, quels exercices choisir, combien de répétitions faire, combien de séries faire quand on est skinny fat et qu'on cherche à prendre du muscle. Bien sûr, pour perdre du gras, il faudra prendre aussi en compte la diète, mais ça, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc bien sûr, pour le référencement et pour le taux de rétention, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que c'est aussi dans ton intérêt. Donc on va aborder 5 points qui sont pour moi essentiels, et le tout premier point qui va vraiment, vraiment, vraiment déterminer à quel point ton programme va être un plaisir à faire et à tenir sur le long terme, ça va être le format d'entraînement. Tu vas avoir plusieurs formats. Tu vas avoir le full body que tu peux pratiquer généralement 3 fois par semaine, où tu vas travailler à chaque séance l'ensemble du corps. Bien sûr, en fonction de ton niveau, tu peux augmenter la fréquence et le faire jusqu'à 6 à 7 fois par semaine. Tu vas avoir le half body qui va se tourner autour de 4 séances par semaine, qui va tourner dans un cycle de haut du corps, bas du corps et en alterne. Tu vas avoir le PPL qui va du push-pull legs, tu vas avoir du split, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une guéguerre entre le split, entre le full body, le half body, le push-pull legs, notamment en ce moment où je vois beaucoup sur les réseaux sociaux le push-pull legs être mis en avant, mais en réalité, si tu veux, d'un point de vue purement théorique, le full body va être intéressant parce que il permet de répéter fréquemment les exercices. Il va être plus efficace d'un point de vue purement physiologique de faire un split pour un débutant, car la stimulation de la synthèse de nouvelles protéines musculaires va être moins importante qu'avec quelqu'un qui a un bon niveau, mais pour le coup va tenir sur du plus long terme, ce qui fait que cela nécessite de faire moins de fréquence finalement pour restimuler cette synthèse de protéines musculaires. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un de plus confirmé aura un gros pic de synthèse musculaire, de synthèse de protéines musculaires, de synthèse d'acides aminés, mais par contre ce pic va vite s'atténuer, ce qui fait qu'il va falloir vite refaire un entraînement pour pouvoir restimuler ce pic de synthèse de protéines musculaires, tout simplement. Alors bien sûr, il y a un pour et un contre à chaque format. Maintenant, je te conseille pas de te prendre la tête, juste de choisir le format qui te correspond le plus, là où vraiment tu prends du plaisir et surtout le nombre d'entraînements par semaine qui va te permettre d'aller atteindre ton objectif. Ton emploi du temps est bien sûr à prendre en compte dans le calcul. Et c'est même d'ailleurs le truc que tu devrais prendre en compte en priorité. Donc ça, c'est le premier point, c'est le choix du format. Le deuxième, ça va être le choix des exercices et de leurs variantes. J'en parle dans toutes les vidéos, mais tu dois adapter tes exercices à ta morphologie. J'en parlais encore avec un pote la dernière fois que je suis allé à la salle, où il m'a dit qu'il ne sentait que les fesses sur le squat et qu'il avait beau essayer toutes les techniques, il n'arrivait pas à prendre des quadriceps, à sentir ses quadriceps. Puis en fait, je regarde sa morphologie et c'est vrai qu'en fait, il a un buste qui est comme ça, avec des jambes qui sont comme ça. Quand tu as une morphologie avec des jambes super longues par rapport à un petit buste, eh bien oui, tu prends tout dans les fesses. Alors qu'à l'inverse, une personne, bon, j'ai ma caméra qui a lâché, donc on va finir à l'iPhone, c'est pas bien grave, la qualité va être un petit peu plus dégradée. Ce qui compte, ça va être l'information que tu vas retrouver. Donc je disais, alors que des personnes qui vont avoir un long buste plus des petites jambes, eh bien, ne vont jamais sentir les fessiers, mais par contre, tu vas énormément sentir tes quadriceps. Le choix des exercices, c'est aussi choisir des exercices qui nous plaisent. Tu auras beau choisir le meilleur exercice possible pour toi, si aujourd'hui tu le détestes, bah tu seras pas à fond dessus. Ou tu finiras par le sauter de temps en temps. Je te prends un exemple, mais les fentes, il n'y a rien de pire, je trouve, pour les jambes. C'est purement subjectif, c'est purement en termes de goût, mais t'as les avant-bras qui congestionnent, c'est super dur de tenir l'équilibre, t'es congestionné comme pas possible, t'as le cardio qui est à fond, le cœur qui est à 180. Je peux t'assurer que c'est un exercice que je déteste et que si je me remettais à travailler mon corps pour prendre purement du muscle, je ne ferai pas cet exercice. Alors que pourtant, on va pas se mentir, les fentes, c'est un excellent exercice. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est le choix des exercices. On va passer au troisième point, ça va être le volume d'entraînement. Ce qui va être super important, c'est de déterminer ton volume d'entraînement. Ça va être indispensable à la création de muscles. Plus tu vas avoir un volume d'entraînement important, plus tu vas progresser, mais aussi
plus tu vas générer de fatigue. Donc potentiellement, si tu as un trop gros volume d'entraînement, tu as des risques de blessure. Alors qu'à l'inverse, si tu as un volume trop faible d'entraînement, tu n'optimises pas ta croissance musculaire. Donc il faut trouver un juste milieu dans ton volume. La façon la plus simple de compter le volume, c'est de savoir combien de séries tu fais pour un muscle. Je te prends par exemple les pectoraux. Si tu as 4 séries de développés inclinés par semaine, 2 fois par semaine, tu as donc déjà 8 séries pour tes pecs. Tu as 2 séries, 3 fois par semaine de développés couchés. Ça fait 6 séries de plus. On est donc à 14. Plus une fois où tu vas faire des écartés en 5 séries. Donc vraiment, c'est des chiffres aléatoires, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Ça fait 5. On est à 19. Plus 3 séries de dips, on est donc à 22 séries. Tu auras donc accumulé un total de 22 séries de travail pour tes pectoraux. Ce que je vais te conseiller en tant que débutant, bien évidemment, c'est de ne pas dépasser 20 séries par groupe musculaire par semaine. Parce que c'est un volume qui est important et qui est réservé vraiment aux personnes qui déjà ont un bon niveau en musculation, mais aussi qui ont optimisé leur capacité de récupération. Et optimiser sa capacité de récupération, ça vient avec l'habitude de s'entraîner, mais ça vient aussi avec une alimentation adaptée, j'aborderai le sujet en fin de vidéo, mais aussi par une optimisation du sommeil. Je t'invite d'ailleurs à commencer par 10 à 12 séries par groupe musculaire par semaine, tu vas voir que tu vas déjà très très bien progresser. Si tu as un volume de travail qui est parfait, mais que pour le coup tu ne respectes pas ce quatrième point, eh bien tu ne progresseras pas. Et ce quatrième point, c'est l'intensité. C'est vraiment un truc qui manque à... Je suis à Basic Fit, donc forcément il y a plus de débutants, mais 95% des mecs que je vois en salle. Donc probablement 95% des débutants, si on fait une généralité. Et c'est énorme. Et bizarrement, il y a tout autant de personnes qui galèrent à atteindre leurs objectifs. Il y a beaucoup de monde qui comprennent mal ce principe d'intensité. Et c'est vrai que l'intensité, c'est pas aussi simple que ça. Beaucoup assimilent l'intensité au fait de se sentir fatigué, de se sentir crevé à la fin de la séance, de sortir de la salle rampant parce qu'ils ont une grosse congestion et ils ont pris des temps de repos très courts. Mais l'intensité, ce n'est pas ça. L'intensité, c'est sur une série, être capable de la pousser au maximum et de pouvoir tenter une rep de plus, une rep de plus, une rep de plus, jusqu'à ne plus pouvoir en faire une de plus. Et à partir du moment où tu as poussé ta série au max, c'est là où tu sais que tu as fait une série efficace. Il y a plusieurs signes qui montrent que ta série n'a pas été efficace. Déjà, tes répétitions ne ralentissent pas. La dernière rep, elle est identique en termes de vitesse à la première. Signe que tu as une série qui a été quasiment inutile. La deuxième, tu ne trembles pas. Trembler, c'est tout à fait normal. Surtout quand tu es débutant, ça montre que ton système nerveux est en train d'envoyer des influx pour pouvoir justement envoyer et pousser ta charge ou la tirer, bien évidemment. Il y a aussi le fait que tu auras peut-être envie de crier, tu vas ressentir énormément de douleur. Et c'est normal. On est en train de faire une série qui est efficace. N'aie pas peur vraiment de pousser tes séries. C'est normal si tu trembles, tu vas pas te blesser. Simplement, veille à avoir une bonne technique. Tu ne dois pas augmenter ton intensité au détriment de ta technique. Aujourd'hui, la plupart des skinny fat qui me contactent ne veulent pas passer des heures à la salle et c'est tout à fait ok. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de passer 6 jours sur 7 à la salle, ni même 5, ni même 7. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec la plupart de nos clients, c'est 3 à 4 séances de 45 minutes à 1 heure par semaine. Si vraiment tu veux optimiser le truc au max, tu peux passer à 3 séances de 45 minutes par semaine. Par contre, il y a une condition à respecter, c'est que l'intensité soit présente. On ne fait pas 45 minutes de fitness, on ne fait pas 45 minutes de circuit de mamie. On fait 45 minutes de musculation, 45 minutes d'intensité, 45 minutes durant lesquelles on est concentré sur soi, on est concentré sur son objectif et on va chercher de la progression. Là, avant que je te parle de l'alimentation, qui est pour moi un point indispensable, il faut que tu comprennes que la partie entraînement, ce n'est qu'un pilier de la recomposition corporelle et finalement il existe 4 piliers à la recomposition corporelle. Je t'ai détaillé déjà un petit peu l'entraînement, même s'il y a encore beaucoup de choses pour toi à apprendre, notamment si tu es skinny fat, et même pour l'alimentation, l'idée de savoir exactement quoi manger, à quel moment de la journée, en quelle quantité, tout en te faisant plaisir en mangeant ce que tu aimes sans saboter ta progression, c'est la recomposition corporelle. On associe, nous, dans notre méthode, le DCF, c'est-à-dire le déficit calorique flexible. Donc justement, j'aimerais énormément te partager la méthode du DCF, ce qu'il faut que tu manges et comment t'entraîner finalement. Et également tout le mindset à avoir autour de la recomposition corporelle si aujourd'hui tu es skinny fat et que tu veux obtenir des résultats sur les prochains mois. D'autant plus qu'à l'heure où je fais cette vidéo, l'été arrive très 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 vite. Donc si tu veux en savoir plus sur tout ça, je t'ai fait une masterclass qui est 100% gratuite sur la recomposition corporelle. Je t'ai mis le lien de cette masterclass 100% gratuite en description. L'idée de cette masterclass, c'est vraiment que tu connaisses les 4 piliers qui sont pour moi les 4 fondamentaux pour avoir un corps tracé, avoir un corps athlétique, non pas de bodybuilder, mais un corps dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as confiance et dans lequel tu imposes le respect en tant que skinny fat. Semaine prochaine, je vais probablement sortir une vidéo sur l'alimentation de façon plus détaillée. Si tu as des questions sur l'alimentation que tu aimerais que je traite en vidéo, pense-y, laisse-moi un commentaire parce que ça me permettra justement de les traiter dans la prochaine vidéo de façon à ce que tu aies une réponse méga complète et qu'on puisse bien évidemment la partager à la communauté. On se dit à très vite, c'était Théo, ciao ciao mec.